Bien bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes sur ETV, Kilti Anka. Encore une belle émission. Nous parlerons de culture, mais cette fois-ci, pas forcément de cas, mais tout ce qui gravite autour du cas, c'est-à-dire l'artisanat. L'artisanat qui nous est très cher dans notre pays, où nous arrivons à développer, à créer des emplois. Et sur le plateau, nous avons deux artisans, je ne dirais pas de renommée mondiale, mais qui sont très connus en Guadeloupe. Un monsieur qui fait des tambours, et une dame qui fait de beaux bijoux et surtout des sacs. Des sacs avec une matière qui est la nôtre. La nôtre à travers tout ce que nous faisons, la culture, le cas, mais surtout les beaux bijoux. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu? Bonjour Widi, ça va très bien. Merci. Merci de me permettre d'être là. D'être là, ça voilà. Me fait plaisir. Bonjour Claudius. Eh bien, bonjour Widi. Eh bien, merci d'inviter moi à l'émission AO. Et merci à ETV qui a invité nous tous les deux à effectivement exposer à face à Guadeloupe. Ça nous a fait, ça nous a pensé faire d'amis. Ah ben c'est ça qui est belle, c'est ça qui est culturel. Qu'a nous a fait pour le pays là, qui j'en nous a voulu. Qu'a nous a fait, c'est pourquoi inviter des artisans qui travaillent dans des domaines bien spécifiques, tambour, calebasse, sac, tout ça qui bijoux, pour rendre madame belle, comme ici d'ailleurs, comme Simon d'ailleurs. Elisabeth. Envie, non pas ça, depuis ça, quand vous, madame, soit envie de parler français, soit envie de parler créole. Mais qui parle créole, bon, parce que créole, c'est une belle langue. Hein, c'est une langue nous. Qui, Jean, arrivait professionnellement, arrivé à ce stade-là, que vous faites, c'est ça que vous faites là. Qui, Jean, ça partit, qui, Jean, l'idée la vigne, qui, Jean, germé en tête. Expliquez-nous ça. Premièrement, ou pas ni à demander, hein, c'est qu'il tient en nous, c'est créole, donc nous sommes à l'aise. Donc, on va démystifier créole là. Donc, en tant que moyen 1 et en TV, M. Nicole Verépla, qui s'est pour mettre l'école en nous, et c'était un bouc qui était très engagé. Et quand il a dit où? Là, on a dit engagé, à qui sens engagé? Il était engagé parce que pour lui, il était déjà vrai à long terme, pas forcément que nous travaillons à Sibiro pour tout le monde. Donc, il commençait par montrer nous. À l'école à Jules Ferry. À l'école Guadeloupe, hein, à la Rosière, à la Mantin. Donc, il montrait nous qui gens nous peut utiliser 10 mais en nous et à utiliser ça qui est alentour en nous. Donc, on commençait par faire des timbales en bambou, travail graines, travail flèche à canne, en tenir 8-9 ans, hein, en cours moyen, un ou arrivant en cours moyen, dès après un 6e à 10-11 ans en moyenne. Donc c'est ça, c'est là. Souvenir là, pas tellement l'âge là, mais c'est période là. Cours moyen, hein, c'est là des clics là passé. Maman, son madame qui était travaillé en canne, et était ouvrière agricole, il fait 12 timounes, donc il n'a pas été évident, et on était très curieux, on était très habile des mêmes, on était même en les outils. Et on décidait, on commençait à faire pyrogravure, sembler graines, faire tableau avec graines, et au fur et à mesure, on entrait, on continuait l'école, on arrivait quand même à un stade qui est très honorable, puisqu'on y a un bac plus 2. En BTS technico-commercial, option génie électronique et mécanique, même si on savait que pas forcément tenir travail à 6 bureaux pour tout le monde, mais en tant que monde aussi était très engagé. Avec artisanat, on payait livre, on payait cahier, on débrouillait mon compte épée, parce qu'on a fait kermesse, avec MRJC, et chemin faisant, on timonait en main, on achetait des 3 livres, on organisait pour que ça paye plus loin. Et après, là, on prend BTS en moins, on commence le travail en 97, on travaille en Kedi Babeke, on forme moi avec yo, et chemin faisant, on arrive quand même en Kedi à un stade qui était très important, hein, puisqu'on était responsable en société de matériaux de construction, mais avant de passer responsable en société de matériaux de construction, là, ça, on était toujours à 20 tibité en moins, si on veut en bas feuille. Et en passant à acheter camion moi. Donc Nati Yao qu'a retrouvé Nati Yao, non pas dans un magasin traditionnel, mais son camion magasin. Mais un magasin presque itinérant. Itinérant. Qu'a déplacé à tout pays là. Tout à fait, qu'a retrouvé au moule, qu'a retrouvé à Petit Bourg, au moule les mêmes. Et qu'a jambé de l'eau, faut dire ça aussi. Et qu'a jambé de l'eau et qu'a Marie Galante aussi. Donc on qu'a retrouvé camion là ça, on qu'a vrai tout ça en cas produit. Objectif à moi, c'est mettre ça qui t'en nous en valet. On n'a pas inventé tambour, mais
en tout cas fait sac avec calbas en nous puisque maman montre où qui gens où tu as utilisé calbas pour faire couille pour faire timbal apprendre ça aussi l'école et apprendre dit mais faut nous aller plus loin en fait sac des sacs de gens qui t'es caplé et en t'es café tambour elle t'a dit et t'a dit t'es lancé moi on défi ou qu'on fait un sac quoi fait sac mais font un tambour qui cassisé en fait l'esprit en marché en pas inventer tambour mais inventer concept là ça c'est sac en calbas cacalbas voilà calbas. Est-ce que si ça ou inventé nous on côté en cas d'une forme écologique à travailler là ou à faire là parce que nous savons qu'actuellement l'écologie a joué un grand rôle dans le pays en nous. Nous savons que quelquefois de l'eau nous a pollué, le sol nous a pollué, nous avons moins de pieds bois. Qui j'en vous qu'a vu ça par rapport à la culture artisanale? Eh bien, moi, j'ai fait recyclage. Hein? En cas fait recyclage, en quoi faisant, en cas utilisé aussi, en cas acheter jean, en cas acheter des tissus en jean. Mais là, on voit une jean, on peut recycler, on peut avoir une deuxième vie. Mais là, on a un sac. À pas jean recyclé, c'est jean acheté, mais même jean là, il y a si ou là, ou quoi porter, ou quoi dire, bon, Elisabeth, en fait, un sac avec jean à moi, qui va un sac avec jean, qui va un sac personnalisé, qu'on voit ouvrir. Et elle veut ça ouvrir, ou ni comme élément. Donc voilà. Elle veut toujours nous parler d'écologie, on peut utiliser aussi petit, naturel, on peut utiliser aussi indigo, on peut utiliser sans vle, moi peut ça peut ten à six calbas là aussi. C'est-à-dire que elle veut ça en tête à ou cabéché et ou cisé pendant au coucher, l'esprit a toujours en ébullition et là on va lever, c'est une mettre en pratique. Très bien. Ravi à vous Claudius. Claudius Barbin qui peut présenter Gozia qui a trouvé route de la Riviera. Hein? C'est vrai qu'on n'a pas dit ça fort, mais juste avant Radar là, vous voyez là, ils ont passé la Riviera. Juste avant Radar là, c'est à Claudius Barbeillet. Claudius, qui j'en vous cabéché et qui poussé vers l'artisanat et notamment vers sa guitare, qu'il tire en guitare. De ce quoi, gros cas, calbas et bien d'autres. Expliquez-nous par quoi, s'il vous plaît. Alors, pour dire tout le but là, c'est que enfin, on fait un bien péage créatif la matin. Et en partie le plus studieux, pourtant les professeurs qui considèrent qu'on a une capacité. Mais on a une soif de Guadeloupéanité. À un premier temps, on a une soif d'Africanité. Et à un deuxième temps, on a une soif de Guadeloupéanité. Et enfin. Sans couper, là, on va parler des soifs d'Africanité, de Guadeloupéanité. Qui j'en crois vrai, qui j'en crois décrit, qui j'en crois manier, qui j'en. Expliquez-moi, parce que. En fait, l'encadre dit ça, c'est qu'en fait. Ça, il a proposé moi en instruction, parce qu'il correspond, parce qu'il y a une résonance dans moi. Et avec aucun jour de là, il a dit que, et pourtant, à un moment-là, ça n'a pas été choix là, ça que ma maman était développée moi, parce qu'elle était une seule garçon. À partir de là, il a dit qu'elle soit épée, qu'elle soit épée, qu'elle soit épée, la ligne était venue là. Elle était venue docteur. Non, ça qui dit, c'est que tous les parents avaient bon souhait, souhaitaient que Tim n'aille pas faire. Pas souffert comme ils souffert. Sauf que là, nous avons des jours là, nous avons rendu compte que c'était de bonnes intentions, mais là, nous avons mangé baou. Est-ce que c'est ton choix que tout le monde la dextérité du stylo et que vous n'êtes pas capable de baou manger vous-même? En tout cas, pour revenir à choix à moi, c'est choix à moi, c'est ton choix de dire que là où il y est, ni vie. En Guadeloupe, ni vie. Alors, là, quand on dit ça, là, on commence à faire l'artisanat, on commence à travailler calbas. Mais ça vient de qui, genre? Parce que, on n'y soit flassant, mais ça vient de qui, genre? Alors, vous parlez vous matin, quand il fait calbas. Non, vous dites tout de suite là. Oui, vous pouvez parler. Nous là pour ça. Nous là pour ça. Enfin, rupture en vie, en la société là. Et pas moins seulement, nous avons plaisir de nous faire rupture de la société là. Après une réflexion? On ne peut pas dire que c'est une réflexion dans la mesure que nous étions adolescents, nous étions 16 ans, 15 ans. Mais c'était aussi, vers aucun empêche dit ça, c'est une soif de justice, une soif de savoir qui nous y est. Tout à fait. Et à un moment là, ça nous fait une rupture, là, quand on dit rupture précisément, entre Rasta, arrêté une dizaine de vies en moins entre Rasta. Pas Rasta encore non, peut-être qu'on a considéré ça, mais en pas Rasta, parce qu'en fait, code de vie en moins, c'est la Bible. Et la Bible fait moins vrai débitant, saleté moins et beauté moins. Et tant qu'on n'a pas vrai beauté, on ne peut pas partager avec les autres la beauté, on ne peut pas partager que la frustration. Alors en fait, des beautés là, ça pour moi, qui à la limite, qui n'est deux dimensions, qui a fait émerger dans l'être, c'est la liberté et la créativité. Et la créativité, et Nati qui l'a pu illustrer ça, qui a dit là,
la créativité pour moi pas de limite. Parce que si nous parlons de créateur, il fait nous imaginer, il met créativité en nous. Et pour moi, il est important qu'on travaille, qu'on valorise l'environnement. Quand il était représenté l'environnement de manière plus claire, c'était Calbas. Ça qui n'est pas de nécessité qu'on fasse un investissement important. Ça, on tenait à Bamé, alors. Tout à fait. Calbas, coco, et on fait, quand on travaille Calbas, on fait l'huile coco, on fait souliers, bien sûr, pour porter notre investissement, pour acheter cuir, pour te faire spaussette. Et on peut dire qu'à un moment-là, ça, en tout cas, livrer des magasins qui tenaient de la Pointe, Richel, Cherry, Fribourg, Winosier, et des nouveaux hôtels à prendre des châteaux. Et à un moment-là, ça n'a pas ni voiti. C'est des sacs qu'on prend, on a dans l'autre, qu'on fait les gorilles et des cuillères, et qu'on cherche Calbas, matière première. Après ça, on rentre pas ni atelier, hein, c'est un bac à maman ou quoi travaille. Et en fait, c'est tout ça qui met confiance dans moi. Alors. Sans vous faire, est-ce que là, on a cherché Calbas pour faire, pour travailler, ou tu as une difficulté quelconque? Parce que, à moins qu'on ait hectare et hectare, est-ce que Guadeloupéen, automatiquement, tu es quand on veut porter, prendre Calbas, monsieur, à moins, à Cabas, à Cabas, à ou pour qui j'en ai été capable de faire ça? Non, mais en tout cas, voilà. Ça qui est dit, c'est que depuis qu'on a convenancé vers grand monde, c'est grand monde qui a dit où l'habitant est. Parce qu'on passe à vous. C'est eux-mêmes qui ont orienté, parce qu'ils ont une vraie volonté là, qu'on est là, qu'on est prendre en main et de valoriser ça qui te rappelé nous misère. Parce qu'effectivement, il faut nous dire ça, Calbas qui a rappelé nous misère. Sauf que Jodla, elle veut reculer, ni 40 ans de ça, elle ne va pas aller là. Jodla, là, quand vous avez travaillé avec Calbas, Nati a occupé de nous, qu'elle a travaillé, elle a considéré que nous sommes des précurseurs. Nous déposer des bases et nous des jeunesse qui approprié ça. Et pour moi, c'est tout un honneur pour moi de voir ce qu'a fait et qu'a fait des belles bitins. Alors, pour dire tout bitin là, c'est que un pays en nous, ni en l'eau matière première à valoriser. En l'eau matière à valoriser, mais sauf que l'idée là que nous sommes là, par exemple, pour moi, c'est qu'avant, là, en Guadeloupe, il y a un sorti en France, quand il est en vacances, il va être acheter Calbas. Hein. Il était qu'à acheter des appliques qui faites en contreplaqué. Sauf qu'un touriste, là, il était qu'à venir en Guadeloupe, il n'était qu'à acheter contreplaqué, il était qu'à acheter Calbas. Jodla, et malheureusement, il faut dire ça, c'est que. Faut que attends, ça va poser mon problème. Qui j'ai un touriste là, qui a acheté Calbas, il n'a pas ni critique à Calbas là, et les gens qui ont dit d'appeler la ravine en vacances, qui ni levé avec la grande famille à Olivier avec ça, il n'a pas ni critique à acheter Calbas là. Ils ont acheté presque des préfabriqués ou des contrefaçons. Ça veut dire que lui, qui voilà, qui fait. Non, mais non, c'est même pas ça. La notion, vous faites la colonisation fait à cause de nos butins. Ils vont nous les dents de nous-mêmes. Et nous en quête d'un beauté extérieur que nous pouvons gens trouver. Et en fait, le plat qui t'a vu là, qui t'a vu au beau, il t'a vu au beau. Alors, il a envie d'accaparer cette beauté là. Mais vous qui n'avez pas une conscience qu'au beau, vous quoi considérez que vous avez envie d'être con lit, c'est ça. Alors ça veut dire que, selon Popoa, hein, qu'à un moment-là, ça, vous poussez réflexion-là, et vous dites, c'est le butin, vous pouvez valoriser, c'est ça, pays en ni, vous pouvez mettre en valeur. C'est oui, bien ça. Oui, c'est bien ça. Et pour dire tout le butin là, c'est que, les Calbas servent parmi en moins, d'aller chercher de l'eau en bas. Les Calbas servent famille en moins pour saisonner viande. Les Calbas servent famille en moins pour servir les copes pour empêcher à pêcher. Est-ce que vous considérez que le matériau là, ça, pas servi société? Oui, servi. Alors, en fait, ça, nous y a fait, c'est ça, famille, nous fait, à dans positionnement d'adversité, si on peut parler comme ça. Nous n'y a considéré qu'il y a des gens qui étaient courageux. Et pas vrai ça, ils vont en regard dédaigneux, mais vrai ça, ils vont en regard pour valoriser. Alors, à quel taquin nous savons qu'en Calvas, hein, il y a une durée de vie indéfinie presque. À dans le monde là, nous vivons là actuellement, nous savons que plus vous changez, plus l'économie là va tourner. Est-ce que quelque part son économie à perdre pour l'artisanat ou pas? Pour l'instant, comme il n'est pas, comment on pourrait dire ça, il n'est pas estimé à juste valeur. Et là, quand on dit ça, on ne peut pas parler de Calbas seulement, on peut parler de tout matériau en Guadeloupe qui était censé valoriser. Moi, on tenait l'idée, en fait, pas moi seulement, parce que nous sommes un syndicat des artisans d'art qui est moins créé, en fait, avec d'autres monde, et qui prend naissance en complice en bombier Calbas. Des ateliers en bombier Calbas. Et en fait, l'idée là, c'était quoi? Et on était, là, en administration, à la chambre des métiers,
invitez-moi à faire à prendre parole. Au CG1, à la Chambre des métiers aussi. En tant que le gouvernement de moi, en tant que syndicat des artisans d'art, pour monter le CG. Non, t'es membre, t'es administrateur, mais pas au bureau. Il m'a demandé un jour, on crie, et on dit, président, on souhaitait que nous parlions. Et on souhaitait que nous parlions, pas en bureau, mais on souhaitait que nous allions parler. Nous sommes des artisans que nous allions parler, nous manger, nous parler. Et c'est ce qui fait. Et là, ça fait, on dit, président, on souhaitait, pour faire compte, parce que sinon, nous disons, l'hôpital dit, on dit, président, on te souhaité que nous fassions l'inventaire de l'artisanat d'art en Guadeloupe. Parce qu'on ne peut pas partir de rien, on peut partir de l'existant. Existant. Et existant là, pour moi, ni des mondes qui ont fait, et ni des outils qu'on a utilisé, ni des matériaux qu'on a utilisé. Faut que nous, en tant qu'institution, vrai c'est mon ça, vrai c'est les matériaux travaillés, vrai les outils. Et l'institution tenait comme devoir que d'accompagner ces mon ça. Pour... Ça belle, ça, on a dit là. Mais si. Vous, si vous nous excusez, hein, sur une terre, sur une façon, on va dire, sur une sorte de décolonisation. Si l'autre a toujours la même pensée du colonisateur, comment vous pouvez faire fusion? En fait, vous ne pouvez pas tirer à priori, là, quoi sont les citoyens. Quoi penser qu'ils sont guadeloupéens et ils ne servent qu'en vous-même et qu'à vraie logique là? Parce que, ou bien vous avez envoyé bah, là pour présentation au moins, c'est que nous, c'est des guillemets dans sa main à les autres. Alors fondamentalement, moi on va considérer que tout le monde qui a travaillé en Guadeloupe, tout le monde qui a travaillé en Guadeloupe, qui a produit en Guadeloupe, ce sont des courageux. Et que moi on va comme devoir de saluer. Alors la production c'est quelque chose. Nous allons marquer juste un petit temps d'arrêt pour une courte page de publicité. Nous croyons déjà à Tatalé, Kiltianka, CIO TV Guadeloupe. À Tatalé.